Dans la vie, pour réussir, je crois qu'il faut savoir se mouiller. Salut. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. Pour ça, on va avoir besoin de trois éléments. Un pou. Non, pas le pou qui gratte la tête. Un pou comme ça. On va avoir besoin aussi d'un katika. Quand on le transforme, ça fait katika. On peut le transformer aussi en kotoko. On va avoir besoin aussi d'un p. On commence par mettre une ligne de pou. On rajoute petit à petit les katika ou les kotoko. Katika, katika, katika. On peut même faire des feintes, on peut mettre des ts ou des kats, kats. Et quand on veut que ça parte, on rajoute le pch. Et là, ça part! Note pour plus tard, s'entraîner à faire des poukatika très très vite, de plus en plus vite quoi. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous, laissez un com, mettez un j'aime, partagez et pensez à faire la vaisselle aussi. Sauf si vous avez un lave-vaisselle. Quoique, de toute façon, il faut quand même de toute manière mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, donc c'est...